Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette assemblée publique de la ville de Sorel-Tracy. Alors, on est aujourd'hui le 1er février 2021. Il est 20 heures, donc on suppose que tout le monde est assis dans son salon présentement. Alors, c'est le couvre-feu, mais par contre, nous, on est là. On a respecté les 2 mètres de distance. On a vraiment, la salle est appropriée pour pouvoir faire cette assemblée publique et vous donner toutes les informations et adopter par résolution toutes les décisions de la municipalité de Sorel-Tracy. Donc, on espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end aussi, et puis on espère que vous avez aussi profité de nos différentes patinoires, nos différentes pistes plein air, où ce qui est très populaire, c'est la promenade au parc Regard sur le fleuve, bien entendu, qui va jusqu'au quai Catherine-Lagardère et le centre-ville. Donc, on aura aussi d'autres activités à vous proposer au cours de la prochaine semaine. Donc, ce soir, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour de notre Assemblée publique. Conseillers et conseillères, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi, votre semaine. Là, on est dans les températures un peu froides, donc on va tenter avec vous de vous donner toutes les informations nécessaires à notre ordre du jour. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Monsieur Péloquin, donc, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis en ajoutant le sujet 8.1, priorité d'action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy. Est-ce que vous avez un appuyeur, monsieur Péloquin? J'appuie, monsieur Péloquin. Parfait. C'est appuyé par M. Bellan. Donc, on est rendu à point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qu'on a eue le 18 janvier 2021. Ça nous prend un proposeur pour cette adoption. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que le greffier soit dispensé de donner lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. Merci, M. Picard. Est-ce que c'est déjà arrivé que le greffier n'était pas dispensé de la lecture? C'est tout. Je suis toujours dispensé. Vous êtes toujours dispensé. Parfait. Donc, on a une proposition avec dispensation. Donc, on va demander maintenant s'il y a un appuyeur pour cette résolution. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Ah, Mme Ouellette, vous l'appuyez. Donc, ça termine le point 2. Le point 4, maintenant, la partie administration financière. On va d'abord adopter nos comptes à payer, bien entendu, à 4.1. Donc, proposé par... Oui, M. le maire. Alors, M. Mondeau, faites-en lecture, M. Mondeau. Je propose que le Conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 14 au 27 janvier 2021, totalisant 1 016 844 $ et 32 sous et apparaissant la liste en date du 27 janvier 2001, soumise par la trésorière. Merci, M. Mondeau. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Lajeunesse. On poursuit maintenant à 4.2, c'est l'octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion de 10 roues. Hein. Alors, avec tous les équipements à neige et aussi il y a la benne basculaire et puis elle est chauffante en plus. Alors, ça prend un proposeur d'abord et l'appuyeur par la suite. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Monsieur Lajeunesse. Oui. Alors, je propose que le contrat pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement à neige et benne basculante chauffante soit accordé au seul soumissionnaire conforme, soit Globocam Montréal Inc., pour la somme de 322 518,67 toutes taxes comprises. Que les documents d'appel d'offres numéro 2021-01-05, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Que cette dépense soit financée conformément à les résolutions numéro 2020-11-576, autorisation de financement, projet d'investissement prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, adopté par le Conseil lors de la séance extraordinaire du 2 novembre 2020. C'est complet, M. Lajeunesse? Oui, M. le maire. Merci pour la proposition. Qui appuie maintenant cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Mondeau. 4.3 maintenant, l'autorisation pour utiliser un solde disponible là, au programme triennal là, d'immobilisation dans le PTI 2021-2023. Alors, par le service des loisirs, donc on doit adopter cette demande par résolution. Proposée par? Oui, M. le maire. Madame Labelle, faites-en lecture. Considérant que lors de l'adoption du programme triennal d'immobilisation PTI 2021-2023, un montant de 35 000 $ était réservé par le service des loisirs pour l'acquisition de toiles coupe-vent pour les différents terrains de tennis de la ville. Considérant qu'à la suite de l'acquisition de ces équipements, il reste un solde disponible de 14 862,77 $. Considérant que ce solde peut être utilisé à d'autres fins par le service des loisirs, considérant le rapport décisionnel du 26 janvier 2021 soumis par M. Daniel Saint-Onge, chef de division
espaces récréatifs du service des loisirs et les recommandations contenues au dit rapport, je propose que le Conseil autorise le service des loisirs à utiliser le solde disponible de 14 862,77 sans toutefois le dépasser pour acquérir d'autres équipements liés au terrain de tennis de la ville. C'est complet, Mme Labelle? Oui. La proposition est faite. Qui appuie maintenant cette résolution? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Alors, M. Picard. Merci beaucoup, Monsieur Picard. On serait rendu à 4.4. C'est l'autorisation maintenant pour le renouvellement de l'entente de partenariat, ce qu'on fait à chaque année avec l'Office de tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, c'est à ce qui a trait à la gestion de la maison des gouverneurs. On doit adopter par résolution. Qui propose? Oui, Monsieur le maire. Monsieur Péloquin. Alors, je propose que le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et l'Office de tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre incorporé relativement aux obligations de chacune des parties dans la gestion de la Maison des gouverneurs. Que cette entente soit effective au 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021. Que ce montant soit ajusté à la baisse selon la fermeture de la Maison des gouverneurs occasionnée par l'application des mesures sanitaires émises par le gouvernement à l'égard de la COVID-19. Que la Ville s'engage à verser un montant maximal de 27 032,80 taxes non comprises, à l'organisme pour la durée de l'entente selon les modalités prévues, et que cette dépense soit financée à même les activités financières. C'est complet, M. Péloquin? Oui. Merci pour la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Ouellet. On poursuit notre assemblée. Maintenant, on serait rendu à 4.5. C'est tout simplement le programme d'aide pour l'entretien de la route verte sur notre territoire pour l'année 2020-2021. Alors, c'est le coût d'intervention sur le réseau cyclable, mais le réseau municipal. On doit adopter par résolution. Qui propose? Oui, M. le maire. Mme Labelle? Parfait. Je propose que le Conseil accepte le rapport sur les coûts d'intervention effectués par la Ville de Sorel-Tracy sur le réseau cyclable, la route verte, tel que soumis par M. David Gagné, ingénieur, directeur du service des travaux publics, en date du 26 janvier 2021. C'est complet, Mme Labelle? Oui. Bon, on a la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Picard. Donc, l'assistance financière maintenant à 4.6 pour la garde côtière auxiliaire canadienne, section Québec. Donc, vous savez, la garde côtière font beaucoup de surveillance et aussi d'intervention. On a reçu le rapport. Ils ont fait de plus de 200, là, répondu à 200 appels l'année dernière sur l'ensemble du territoire nautique, que ce soit le fleuve, la rivière Richelieu, et que ce soit aussi tout l'ensemble des îles de Sorel, la biosphère du lac Saint-Pierre. Donc, on nous a demandé une noble, humble contribution parce que, vous savez, ce sont des bénévoles. Puis, ils doivent payer eux-mêmes l'essence, ils doivent payer eux-mêmes leurs vêtements, ils doivent payer eux-mêmes l'emprunt qu'ils ont sur un des moteurs sur leur bateau. Donc, finalement, tout à fait normal qu'on puisse leur donner un coup de main pour aider à venir en aide à des gens qui sont soit en détresse avec un bris de moteur ou peu importe. Donc, on l'adopte par résolution ce soir. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Mondeau, allez-y. Je propose que le Conseil accorde une assistance financière de 2 000 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne Québec Inc. afin de les aider à offrir un service de sécurité nautique. Que cette dépense soit financée en même les activités financières. Parfait. Merci beaucoup, M. Mondeau. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lajeunesse. Donc, vous savez aussi, il y a d'autres municipalités qui vont être sollicitées, que ce soit Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Ours pour la Dame de Saint-Ours, les écluses et tout ça. Et naturellement, Yamaska, les autres municipalités. Donc, c'est une demande qui est adressée directement aux municipalités riveraines au départ. Puis ensuite de ça, on sait que même si on n'est pas dans une municipalité riveraine, il se peut que des gens sur notre territoire, la MRC, qui a un bateau, une chaloupe, peu importe, qui utilisent les plans d'eau. Donc, il serait tout à fait normal d'appuyer cet organisme. Alors, je les salue ce soir, puis continuez votre bon travail. On poursuit maintenant notre assemblée. Alors, on vient de terminer 4.6. On va aller dans la section 5. C'est l'administration générale. On va procéder à 5.1 pour la nomination du maire suppléant. Proposé par? Je propose, M. le maire. Par M. Bellin. Je propose que M. Patrick Péloquin soit nommé maire suppléant à compter du 2 février 2021 jusqu'au 3 mai 2021. Merci, M. Bellin. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Parfait. Merci, Mme Ouellet. Et M. Péloquin, vous acceptez cette lourde tâche? Cette lourde tâche, oui. Surtout en période de COVID, hein? Oui, on ne sort pas beaucoup. Non. Pense-qu'on de bonheur.
Bon, parfait. Alors, c'est fait, on a l'appuyeur, le proposeur, c'est complet. À 5.2, maintenant, c'est un dépôt hein, d'une déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, monsieur le greffier, oui. Faites dans la description. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, j'informe le conseil que conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections référendum dans les municipalités, monsieur Stéphane Bellin, conseiller du district numéro 5 du Faubourg, a déposé sa déclaration d'intérêt pécuniaire dans les 60 jours suivant sa proclamation d'élection, soit le 18 décembre 2020. Alors, c'est complet. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt. Pas besoin de résolution. On va poursuivre maintenant avec le point 5.3. C'est tout simplement une demande d'autorisation de circuler au ministère des Transports du Québec. Là. Alors, c'est une demande pour faire la circulation d'un véhicule hors norme. Donc, on l'adopte par résolution, c'est bien ça. Qui le propose? Oui, M. le maire. M. Mondou, allez-y. Je propose que le conseil autorise le service des travaux, publics à circuler avec ses chargeurs de marque Volvo modèle L90G et de marque Deere modèle 624G, sur les voies publiques de la Ville, et ce, conformément au permis spécial de circulation à être émis par le ministère des Transports du Québec. Que cette autorisation soit valide autant en période normale qu'en période de dégel et qu'elle demeure valide jusqu'à décision contraire du Conseil. Parfait. Merci pour la proposition. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Ouellet, donc vous êtes tous et toutes en accord. On poursuit à 5.5. C'est l'adoption du premier projet de règlement. C'est le règlement 2485. Ça concerne des modifications au règlement de zonage 22. 5.4. Pardon? 5.4. Ah, ben oui. Alors, écoutez, je vais rebaisser mon truc. Bon, on va aller avec la renonciation à un droit de préférence pour le lot 2,934,334 en ce qui concerne le 1150. Chemin de Saint-Roch. On doit adopter ça par résolution. Proposé par? Donc, M. le maire, je propose que le Conseil confirme à Société en commandite Place Richelieu que la Ville de Sorel-Tracy n'entend pas se prévaloir de son droit de préférence en faveur du lot 2,934,334 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, situé au 1150 Chemin Saint-Roch, tel que conféré dans l'acte de vente signé devant notaire le 31 octobre 2008. Que de ce fait, Société en commandite Place Richelieu peut vendre ou autrement aliéner le dit immeuble, que le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy tous les documents nécessaires utiles. C'est complet, Mme Ouellet? Oui, Monsieur le maire. Parfait, la résolution est faite. Qui appuie maintenant? J'appuie M. le maire. M. Bellin. Merci, M. Bellin. Donc, ça termine le 5.4. Là, on sera rendu au 5.5, n'est-ce pas? Alors, c'est l'adoption du premier projet de règlement, numéro 285. Ça concerne une modification de zonage au règlement 2222 de la Ville de Sorel-Tracy afin d'autoriser des usages additionnels dans la zone 103-709. Alors, c'est modifier les grilles des spécifications des zones H01-212, H01-276 et I-03-709 et du règlement de lotissement 22-23 afin d'établir des normes de lotissement pour habitation unifamiliale isolée à la marge latérale 0. Donc, la proposition nous viendra de... Donc, M. le maire, je propose que le premier projet de règlement numéro 2485 soit adopté tel que présenté par le greffier et qu'un appel de consultation écrite soit tenu du 5 au 19 février 2021. Parfait. Merci, Mme Ouellet, pour la proposition. Ça sera appuyé. Je vais l'appuyer, par M. Mondou. Merci à vous deux. 5.6, c'est bien ça, l'adoption du rapport municipal d'activité pour l'an 12 du schéma. Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Pierre de Sorel. On doit adopter par résolution. Proposé par? Monsieur le maire. Monsieur Picard, faites-en lecture. Je propose que le rapport d'activité de l'an 12 correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie soit adopté tel que déposé et transmis à la MRC de Pierre de Sorel pour la production du rapport de synthèse régionale et l'envoi au ministère de la Sécurité publique. Merci, M. Picard. Ce sera appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Guévremont. On poursuit maintenant à 5.7, c'est l'appui au regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé.
RQMDSS afin de demander au gouvernement du Québec de procéder à la décentralisation des soins de santé en région. Alors, on va adopter ça par résolution. Mais juste avant, c'est M. Péloquin que vous voulez déposer la résolution, c'est bien ça. Alors, juste avant, je veux donner quelques petites précisions. Donc, le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé, c'est un regroupement de 700 médecins. Vous savez, on a fait beaucoup de pression au fil des années. Vous nous avez suivis. On l'a fait seul, on l'a fait avec la MRC, on l'a fait avec l'ensemble de d'autres organismes. On l'a fait aussi localement avec des médecins impliqués. Mais ce qui donne du poids à cette demande-là, c'est que maintenant, suite post-pandémie et la situation qu'on a vécue dans les dernières années, bien, il y a 700 médecins qui se sont mobilisés pour emmener des améliorations et des recommandations à faire au ministre de la Santé et au premier ministre pour faire mieux. Puis, ils arrivent à la même conclusion qu'on a fait dans le passé, c'est de l'hypercentralisation, ce que moi j'appelais la centralisation abusive. Là. Hein, je donne quelques exemples, que ce soit d'envoyer les laboratoires à l'extérieur, le service de paye, ou bien non, même la pédiatrique, des corridors de services, bref, tout ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, le regroupement réclame la fin de l'inaction et un engagement concret vers la décentralisation et la gouvernance locale et décisionnelle. Alors, ils m'ont contacté directement ici à Sorel-Tracy pour que je puisse mobiliser les 27 maires des villes-centres du Québec. Parce que les 27 municipalités, celles qu'on appelle les cités régionales, alors ce sont tous des municipalités de la taille de Sorel-Tracy, plus ou moins, que ce soit Thetford, Joliette, Rivière-du-Loup, Rimouski, Sept-Îles. Bon, il y en a 27 en tout, puis ils ont tous et toutes la même situation que nous. Et il y en a dans certains cas, c'est encore pire parce que les citoyens de leur municipalité doivent faire jusqu'à 100 km ou 110 km pour aller chercher des soins de santé qu'ils avaient anciennement dans leur institution. Mobilisation, dépôt de la résolution ce soir par la ville de Sorel-Tracy, par M. Péloquin, dans quelques secondes. Et puis, il y aura dans l'ensemble des villes, des cités régionales, la même résolution qui sera adoptée et puis envoyée au regroupement des médecins. Puis je veux saluer le courage du Dr Vincent Bouchard-Deschênes, qui est un médecin spécialiste là, de interniste à Notre-Dame. Et ainsi que je veux saluer aussi le médecin en médecine spécialité, toujours, Daniel Coe, et qui, lui, est à Santa Cabrini. Puis localement, il y a deux médecins qui sont très dévoués, Dr Godin, pneumologue, et puis aussi Dr Marie-Claude Blouin, qui s'implique beaucoup dans cette cause. Alors, je les salue. Puis maintenant, bien, ce soir, la ville de Sorel-Tracy va adopter par résolution unanime. C'est bien ça, tout le monde, vous êtes tous en accord. Puis on va donner cet appui-là à ces 700 médecins pour faire en sorte d'améliorer la situation, les conditions de gouvernance locale dans nos centres hospitaliers. M. Péloquin, faites-en lecture. Parfait. Alors, considérant que la centralisation des soins de santé a rendu le système rigide et lent, considérant que les effets de la centralisation se font sentir sur l'accessibilité aux soins de santé de proximité et locaux, considérant que les médecins sont directement témoins des conséquences de cette centralisation dans l'ensemble des communautés, considérant que 750 médecins de toutes les régions du Québec se sont mobilisés pour demander la décentralisation de notre système de santé, considérant que toutes ces démarches visent à établir les bases d'une gouvernance locale solide et efficiente qui va donner accès en région à l'ensemble des soins médicaux de base sans aucune discrimination, considérant que ces 750 médecins ont transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux 4 recommandations peu coûteuses, simples et rapides à mettre en place, soit le rétablissement d'un poste d'administrateur décisionnel local pour chaque centre hospitalier de soins, le rétablissement d'un poste décisionnel de directeur des services professionnels local pour chaque centre hospitalier, le rétablissement d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens local pour chaque centre hospitalier et le rétablissement d'une table des chefs locaux réunissant tous les chefs de département d'un centre hospitalier. Considérant que la gestion de crise sanitaire actuelle nécessite une flexibilité et une réactivité qui manquent à notre système de santé centralisé, je propose que la ville de Sorel-Tracy appuie le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé afin de demander au gouvernement du Québec de procéder à la décentralisation des soins de santé en région. Que la ville de Sorel-Tracy appuie les 4 recommandations émises par ces derniers et transmises au ministre de la Santé et des Services sociaux. Que la ville de Sorel-Tracy demande au gouvernement du Québec d'étudier sérieusement ces recommandations et d'y donner suite.
Merci beaucoup pour la proposition, M. Pellequin. Ça prend un appuyeur. Qui appuie? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lajeunesse appuie. Donc, ça complète cette résolution. Merci beaucoup. On poursuit maintenant. On est rendu au point, excusez-moi, là, 5.8. Alors, c'est dans la section des demandes de dérogation mineures. Donc, à 5.8, c'est une demande de dérogation pour le 285 rue Aubert, mais je vais laisser le greffier, M. Chevalier, en faire lecture et donner l'indication de l'avis public. Monsieur le greffier, merci, Monsieur le maire. Donc, suite à l'avis public paru sur le site Internet de la Ville le 14 janvier 2021, le conseil municipal doit statuer sur 5 demandes de dérogation mineure. La première, pour la propriété 285 rue Aubert, il s'agit de la réduction de la portion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur la façade du bâtiment principal commercial à 55 % au lieu de 75 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La réduction de la portion des matériaux de revêtement extérieur classe 1 sur le mur latéral gauche du bâtiment principal commercial à 24 % au lieu de 50 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Et finalement, la réduction de la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur le mur latéral droit d'un bâtiment principal commercial à 0 % au lieu de 50 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La deuxième demande de dérogation mineure vise la propriété du 2800 boulevard des Érables. La réduction de la distance entre un équipement sportif et la ligne latérale gauche à 0,75 m au lieu de 1,5 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La réduction de la distance entre un équipement sportif et la ligne arrière à 0,70 m au lieu de 1,5 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La demande de dérogation mineure pour la propriété du 100 rue Plante. Il s'agit de la réduction de la marge latérale droite du bâtiment principal à 2,30 m au lieu de 5 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Une demande de dérogation mineure pour le 4125 chemin Saint-Roch. Il s'agit de la réduction de la distance entre un bâtiment accessoire et la ligne arrière à 0,75 m au lieu de 1 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, et la réduction de la distance entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal à 0 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Et finalement, une demande de dérogation mineure pour la propriété du 3208 rue Jean Talon. La réduction de la marge avant du bâtiment principal à 3,56 m au lieu de 6 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La réduction de la distance entre le perron et la ligne avant à 1,5 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. La réduction de la distance entre la marquise située au-dessus du perron et la ligne avant à 1,5 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Et finalement, la réduction de la distance entre le garage privé détaché et la ligne latérale gauche à 0,69 m au lieu de 0,75 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Donc, toute personne intéressée par l'une ou l'autre de ces 5 demandes de dérogation mineure avait jusqu'au 1er février, donc à ce jour-ci, jusqu'à la fermeture du bureau, à transmettre au bureau du greffier par courriel ou par toute autre correspondance leur demande relativement à l'une de ces demandes de dérogation mineure. Donc, aucune demande n'a été reçue, M. le maire, en temps opportun pour l'une ou l'autre des demandes de dérogation mineure. Donc, aucune demande n'a été reçue. Donc, nous allons procéder maintenant à adopter les uns après les autres ces règlements d'emprunt. Donc, on va débuter avec le 5.8, comme je mentionnais tantôt, le premier qu'on avait en liste. Alors, la demande de dérogation mineure pour le 285 de la rue Aubert, ça demande un proposeur. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. M. Guévremont. Je propose que la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur la façade d'un bâtiment principal commercial soit réduite à 55 % au lieu de 75 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Que la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur le mur latéral gauche d'un bâtiment principal commercial soit réduite à 24 % au lieu de 50 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur.
que la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur le mur latéral droit d'un bâtiment principal commercial soit réduite à 0 % au lieu de 50 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. C'est complet, M. Guévremont? Complet, M. le maire. Donc, la proposition est faite. Est-ce que vous avez un appuyeur? Bon, ça va bien, votre affaire? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Mondeau? OK, parfait. Alors, la proposition a été faite par M. Guévremont et c'est appuyé. Alors, à 5.9 maintenant, la demande de dérogation mineure maintenant pour le 2800 boulevard des Érables. Oui, M. le maire. Bonsoir, Mme Labelle. Vous êtes de retour? Je suis désolée. Vous êtes de retour, merci. Je suis au 9, désolée. OK, on vous écoute. Je propose que la distance entre un équipement sportif et la ligne latérale gauche soit réduite à 0,75 m au lieu de 1,5 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, que la distance entre un équipement sportif et la ligne arrière soit réduite à 0,70 m au lieu de 1,5 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. C'est complet, Mme Labelle? Donc, la proposition est faite. Qui appuie cette résolution? Je vais l'appuyer, M. le maire. OK. Quand vous parlez d'équipement sportif, boulevard des Érables, qu'est-ce que vous voulez dire, Mme Labelle? Je ne sais pas, moi non plus. Alors, c'est simplement le terrain synthétique. Donc un jour viendra. Alors, oui, mais non seulement il y a toute la partie légale qui avance bien, mais aussi la partie réglementaire pour l'implantation. Donc, on doit être conforme jusqu'au bout, du bout des doigts. Donc, la proposition était faite, vous avez l'appuyeur. Donc, on passe au deuxième sujet. C'est cette fois-ci pour le 100 de la rue Plante, hein, à 5.10, c'est bien ça? Alors, qui en fait la proposition Monsieur pour cette résolution? Ce sera M. Guévremont. Faites-en lecture, M. Guévremont. Je propose que la marge latérale droite du bâtiment principal soit réduite à 2,30 m au lieu de 5 m, comme l'exige le règlement de zonage. Merci, M. Guévremont, pour la proposition. Qui appuie? J'appuie, M. le maire. C'est appuyé par M. Bellan. Alors, ça complète le point 5.10. Alors, on va maintenant à 5.11. C'est la demande de dérogation pour le 41-25 chemin Saint-Roch à Sorel-Tracy, proposée par? Oui, M. le maire. M. Picard. On vous écoute, M. Picard. Je propose que la distance entre un bâtiment accessoire et la ligne arrière soit réduite à 0,75 m au lieu de 1 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, que la distance entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal soit réduite à 0 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, que ces dérogations soient conditionnelles à ce que les blocs de rangement et le camion utilisés à des fins d'entreposage soient retirés du terrain. C'est complet, M. Picard? Oui. Donc, maintenant, la proposition est faite. Qui appuie maintenant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Labelle en fait l'appui. 5.12, cette fois-ci, c'est une demande de dérogation pour le 3208 rue Jean Talon, proposée par... Oui, M. le maire. C'est la jeunesse. Allez-y. Alors, je propose que la marge avant du bâtiment principal soit réduite à 3,56 m au lieu de 6 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Que la distance entre le perron et la ligne avant soit réduite à 1,50 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Que la distance entre la marquise située au-dessus du perron et la ligne avant soit réduite à 1,50 m au lieu de 4 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Que la distance entre le garage privé détaché et la ligne latérale gauche soit réduite à 0,69 m au lieu de 0,75 m, comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. C'est complet? Oui. Parfait. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Mondeau. Parfait. Ça termine le point 5.12. Avis de motion, il n'y en a pas ce soir. Les affaires nouvelles non plus. On s'en va au le point qu'on a ajouté, à 8.1, qu'on a ajouté à notre ordre du jour. C'est la priorité d'action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy, dont on doit indiquer nos priorités à chaque année. Et c'est ce soir qu'on le fait. Alors, c'est un document qui a été travaillé avec beaucoup de rigueur, M. le greffier, n'est-ce pas? Oui. Alors, on demande un proposeur. Oui, M. Mme Labelle, allez-y, oui. On vous écoute. Je propose que le Conseil adopte les priorités d'action suivantes sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy. Effectuer de façon régulière des contrôles par radar de la vitesse des véhicules routiers au centre-ville
sur les principales artères de la ville et autres endroits stratégiques de la ville, procéder au contrôle des véhicules routiers modifiés, auto et moto, afin de combattre les bruits excessifs et effectuer une surveillance particulière quant à la vitesse et au contrôle de la circulation des véhicules lourds dans la ville. Avec l'entrée en vigueur du règlement établissement dans certains secteurs à 40 km/h la vitesse maximum permise, effectuer de façon régulière des contrôles par radar de la vitesse des véhicules routiers. Effectuer la surveillance dans les zones scolaires. Effectuer la surveillance de la circulation routière sur des rues utilisées comme voies de contournement et situées généralement en zone résidentielle. Au centre-ville, sur les principales artères de la ville et autres endroits stratégiques de la ville, procéder au contrôle des véhicules routiers modifiés, auto et moto, afin de combattre les bruits excessifs et effectuer une surveillance particulière quant à la vitesse et au contrôle de la circulation des véhicules lourds dans la ville. Effectuer la surveillance de quartiers et des patrouilles à pied et à bicyclette dans le centre-ville. Effectuer une surveillance particulière des pistes cyclables et voir à garantir la surveillance au centre-ville lors de la fermeture des bars. Voir à assurer la sécurité et l'ordre public sur les terrains de stationnement, dans l'ensemble des parcs de la ville, et plus particulièrement au Carré Royal et au parc Regard sur le fleuve et Messouna, ainsi qu'aux rampes de mise à l'eau des rues Antaya, du bord de l'eau, du parc nautique Regard sur le fleuve et du parc nautique de Sorel-Tracy. Effectuer une surveillance particulière de la circulation des véhicules tout-terrain, des motoneiges et des véhicules hors-route sur le territoire de la ville, et effectuer la surveillance du bruit dans les rues et sur les cours d'eau. C'est complet, Mme Labelle. Merci. Donc, la proposition, elle est faite. Ça nous prend un appuyeur pour ces demandes-là. Qui appuie cette résolution? Je l'appuie, M. le maire. Alors, M. Lajeunesse, merci beaucoup. Donc, ça termine le 8.1. On en est rendu maintenant à la période de questions. M. Brassard, Dominique Brassard, bonsoir. Est-ce qu'on a reçu des questions présentement? Aucune question reçue, merci. Donc, on va procéder maintenant à la période des commentaires mis à la disposition des conseillers et conseillères pour nous parler de leur quartier, nous parler aussi des différents projets. Et on va débuter par Mme Ouellette. Ça vous convient, Mme Ouellette? Monsieur le maire, merci beaucoup. Parfait. Alors, Mme Ouellette, bonsoir, et puis on vous écoute. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que le secteur Pierre de Sorel est ceinturé de deux axes routiers appartenant au ministère des Transports du Québec, dont le boulevard Fizet et le chemin des Patriotes. Et puis, j'ai demandé une petite recherche au niveau de la greffe. Et depuis 2015, on a fait 35 demandes diverses par résolution au ministère des Transports. Concernant, bien entendu, l'entretien et le resurfaçage du boulevard Fizet, la diminution de vitesse, amélioration de la configuration de l'intersection Couillard-des-Prés et boulevard Gagné, resurfaçage de l'autoroute 30 et ses bretelles, etc. Mais il y a un dossier que je trouve vraiment très important, M. le maire, si vous permettez, et primordial pour notre développement économique, et c'est l'étude de mobilité et de fluidité de la circulation sur notre territoire. Et j'ai fait une petite chronologie des étapes franchies depuis janvier 2018, M. le maire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports à Châteauguay le 25 janvier 2018. Oui, j'étais présent d'abord avec vous, oui. Et rencontre pendant laquelle nous avons sensibilisé aux multiples difficultés que nous avions sur leurs axes routiers. Donc, la vitesse, l'état de la chaussée, l'exaspération des riverains dû au bruit et les vibrations dans les maisons causées par le camionnage. On a rappelé les nombreuses raisons qui vont faire en sorte que la circulation à Sorel-Tracy va augmenter. Donc, les nouvelles entreprises, le complexe portuaire, la nouvelle prison, le projet de la laiterie Chalifou, le projet de pont Sorel-Tracy-Lanoraie. Et nous avons émis clairement nos demandes en lien avec la fluidité de la circulation sur notre territoire.
Le 5 février, M. le maire, je ne sais pas si vous vous souvenez, en assemblée publique, vous avez fait un retour sur cette rencontre que nous avions eue avec le ministère. Oui. Il y a eu un article, pour ceux qui voudraient valider, dans les deux rives du 9 février, écrit par Sarah-Ève Charland. Le 13 février 2018, je vais sauter quelques... parce qu'il y en a, trois pages de choses. M. Sylvain Rochon, qui était à l'époque député, a sollicité une rencontre avec les maires de la MRC, tout en saluant l'initiative de la ville de Sorel-Tracy, mais désirant discuter d'une approche commune auprès du ministère du Transport du Québec. Suite à ça, la Chambre de commerce a souhaité s'unir à la ville de Sorel-Tracy pour travailler à la formation d'un comité de travail pour la mobilité et la fluidité des transports, voir le site Internet de la ville de Sorel-Tracy. En mai, il y a eu une rencontre avec M. Sylvain Rochon, avec vous, M. le maire, sur la mobilité et la fluidité des transports. Le 13 juin 2018, les membres du conseil de la MRC y ont adopté un projet de stratégie concerté pour l'amélioration du réseau de transport de la MRC et le présente aux représentants du ministère des Transports du Québec, voire le site Internet de la MRC Pierre de Sorel. 1er octobre, M. Jean-Bernard Raymond est élu, 1er octobre 2018. Le 16 novembre 2018, les autorités du ministère des Transports confirment leur intérêt de prendre part aux travaux du comité, site Internet MRC Pierre de Sorel. Et ça continue. Et aujourd'hui, M. le maire, où en sommes-nous avec ce fameux comité? C'est ma question. Bon, vous avez mentionné deux rencontres. Ce fameux comité, il y en est là. Nous, on avait pris quand même un certain leadership. C'était transféré de façon régionale à la MRC. Et puis, demain, il y a une émission spéciale. J'espère bien que le préfet, M. Salva, va nous donner quelques détails là-dessus, au niveau de l'échéancier. Et c'est à suivre. Alors, nous, on est une municipalité comme les 11 autres municipalités. Puis, on suit le rythme que donne le préfet et son groupe. Puis, quand on met ces sujets-là l'autre du jour, bien, on les avance. Donc, c'est dans ce cas-ci, je pense que c'est un dossier qui est à la MRC, un dossier régional. Oui. Non seulement M. Rochon le transféré là, oui, c'est une bonne chose aussi. Puis, M. Le député Aymon l'a supporté aussi. Oui. Mais je pense que on pourrait lier ça au pouvoir de l'intention. Au pouvoir de l'intention. Nous, il y a une chose qui est sûre, Madame Ouellette. Je dois d'abord, juste avant d'aller plus loin dans le sujet, je veux saluer, là, puis je veux... ici, je ne sais pas si la famille est à l'écoute, mais vous savez qu'il y a eu un accident avec le jeune William. William Saint-Louis-Allard, puis il prend du mieux. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça, puis vraiment, on est derrière la famille, on est derrière ses proches, puis on lui souhaite un bon rétablissement aussi. On a une pensée pour ses proches, puis on espère qu'ils vont se retrouver en famille. Mais c'est donc plate, à chaque fois qu'il arrive un truc du genre, un incident très, très, très... plate, puis non souhaitable, qui fait en sorte que ça bouge un peu les choses. Je veux en profiter pour saluer aussi notre service des premiers répondants. Oui. Il y a deux personnes, deux jeunes, Maxime Grenier puis Sylvain Saint-Onge, qui sont nos premiers répondants, qui sont arrivés sur les lieux de l'accident. Eux, ils n'ont pas tardé à le stabiliser, faire en sorte, ils l'ont même accompagné là, dans l'ambulance jusqu'à Saint-Hyacinthe. Hein? Alors, on est dans le CIT Ouest, Sorel, Longueuil et Saint-Hyacinthe. On a remercié. Et puis, on le sait que ce tragique incident nous rappelle toujours l'importance de faire de la sécurité de nos enfants, une priorité, mais aussi de faire la sécurité de tous les utilisateurs de cette route. Puis là, on oublie toujours. Et j'ai reçu, Mme Ouellette, et quand je vous dis que ça fait bouger les choses, j'ai reçu une lettre aujourd'hui d'une résidente que je connais bien, qui est Mme Jeanne Bardier, et son conjoint, là, Ghislain Hamel. Ces gens-là vivent sur le boulevard Fizette. Mm. Puis j'ai fait dernièrement avec eux une entrevue pour qu'ils puissent me signaler leur inconvénient, leur irritant qu'ils vivent sur Fizette. Mme Bardier nous dit que
Du côté de Mme Verdier, bien, c'est une autre résidence qui affirme que les vibrations sont insupportables dans sa résidence. Et surtout, depuis longtemps, ils ont fait des récents travaux. Elle considère que ça ne va pas. Ça va pas. Donc, ils sont nerveux, ils ont un stress. Puis, Mme Verdier, rappelez-vous, sa maison a été quasiment sa façade démolie par une voiture qui a foncé. Oui. Donc, il y a un stress, il y a un post-traumatisme qui est là. Puis, les vibrations sont toujours là, liées à l'état de la route. Il y a une autre personne, Pascal Péloquin, hein, qui est un résident du secteur depuis une vingtaine d'années. Lui-ci, il y a 2 ans, une camionnette a percuté son véhicule stationné dans son entrée. Alors, puis encore, il a eu de la difficulté à ralentir pour tourner dans son entrée. Quand il arrive chez lui avec sa voiture, tu sais, c'est une rapidité, une route rapide. Quand il freine, on rase quasiment. Tout le monde font des déviations rapides. Il risque d'accident. Gilles Lapierre, il a acheté une maison. C'est quelqu'un de l'extérieur qui a acheté une maison là, sur Fizet. Puis, au cours de l'hiver dernier, le président, puis, il regrette son achat parce que les camions passent devant chez lui, qui nous dit à vive allure, sans ralentir. Puis, quand il y a un nid de poule, bang! Bang! Le reste de la maison veut... Puis là, c'est des bruits de grande intensité. Puis, c'est des bruits qui deviennent insupportables. Ce sont des fortes vibrations qui font même boucher sa vaisselle dans son armoire, puis des dizaines de fois par jour. Alors, puis je pourrais en ajouter, sans oublier Guy Boisvert, qui, lui, la situation est également difficile. Les gens roulent très vite, on le sait, et la maison est constamment secouée par les vibrations. Il y a des fissures dans sa brique, dans ses salages. Puis il est obligé de prendre son vaisselier, puis d'y mettre des petits blocs pour le pencher par l'arrière, parce que la vaisselle se jetait en bas du vaisselier à chaque jour. Alors, détérioration de leur résidence, leur actif, leur maison. Aussi, quand ils veulent prendre une marche ou qu'on élève des enfants, là, c'est impossible. Il n'y a pas de trottoir. Puis, j'arrête cela, mais j'en reviens au fait, Mme Ouellette, quand on a rencontré le ministère, nous, ce qu'on a proposé, eux voulaient élargir Fizet. Encore, oui. Plus large pour mettre... Il n'y a pas d'accotement. Mettre ça encore plus large, empiéter sur les résidences, pour avoir une possibilité, dans l'allée centrale, mettre une espèce de muret pour que les gens ne puissent pas tourner. Tu sais, ils appellent ça des atténuations. On dit non, ça n'avait pas de sens. Ce que ça prend, puis je suis content d'entendre le préfet le dire à la télé, il faut absolument qu'on réfléchisse, non pas la continuité de la 30 comme une autoroute. Ça, c'est rêvé en couleur. Nous, ce qu'on proposait, c'était un boulevard urbain, une route d'environ 20 km de distance pour rejoindre la 122, je pense, hein? La 122 qui mène à Drummondville. Donc, la direction vers l'est, au lieu de retourner vers Métropolitain, se congestionner entre la 20 ou la 10, puis revenir sur nos pas. Alors, nous, ce qu'on a demandé au ministère, c'est de dire, pourriez-vous penser un projet de boulevard urbain, 2 voies qui se rencontrent, qui viendrait contourner la partie Fizet? Parce que là, c'est difficile d'avoir des familles, des enfants. C'est difficile pour un commerçant. On rentre, on n'a plus moyen de sortir. Je ne sais pas si vous êtes allé faire des petites commissions. Le 4 voies, là, puis ça roule vite. C'est impensable. On a demandé une réduction de vitesse, vous vous rappelez? Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, des résolutions, diminuer la vitesse. Puis, bon, on a eu toutes sortes d'oppositions. Alors, on a beau faire pour sécuriser nos gens, mais là, ça devient difficile parce qu'on nous dit, mettez ça de façon régionale, c'est correct, mais il faut que les choses bougent. Mm. Puis le ministère des Transports, puis le ministère de l'Environnement, c'est 2 ministères où c'est très compliqué. Très compliqué. Nous, depuis qu'on a quitté le territoire de Sorel-Tracy, c'est difficile d'avoir une relation avec eux. Et là, dans le moment, la seule entente, vous vous rappelez qu'on a voulu l'annuler le contrat, M. Langlois, vous étiez parmi nous à ce moment-là, on a dit « fini », parce qu'on a une entente avec eux. Eux nous disent « on est tellement loin, quand il y a un trou, pourriez-vous aller le boucher pour nous? On vous paiera. » On a critiqué, on a chiolé. On a tellement bouché de trous sur la route de merde qu'on a manqué d'argent, on est obligé de dépenser de l'argent supplémentaire. Puis là, on est en train de travailler pour essayer de se faire rembourser. Puis la job qui a été faite, on est obligé d'aller en appel d'offres. C'est une société qui vient n'importe où, pas de Sorel-Tracy. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait des patchs, ils ont fait des bosses, puis ça a créé une crise. Nous, on ne veut plus vivre ça. Je ne sais pas si ça vous tente encore de vivre une situation semblable. Non. Pas nous autres. Bonne nouvelle, bonne lueur. Avec le député Jean-Bernard Raybon, on en a discuté. On a fait quelques réunions. Et là, il y aura quelques annonces là, qui vont être faites pour remédier à tout ça. Mais dans le moment, je sais que les gens sont préoccupés, puis ça réveille les frustrations du passé, puis je pense qu'il va falloir commencer à travailler fort,
travailler intensément pour régler une fois pour toutes ce problème-là. Donc, Mme Ouellet, je vais vous laisser continuer votre description de votre rapport. Mais c'est important de faire ce que vous faites. Vous me startez un peu, là. Oui, je... Mais on veut tous et toutes ici... C'était pas le but de rechercher, mais c'était pour montrer à mes collègues et également aux citoyens de Sorel-Tracy que ce dossier-là date quand même depuis 2018. Oui. Et que jusqu'à présent, malheureusement, le dossier n'a pas avancé à notre goût, malgré les demandes répétitives, malgré... Donc, je compte sur vous, M. le maire, étant donné que vous êtes notre représentant à la MRC Pierre de Sorel, de leur demander, s'il vous plaît, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est important, ça va être très important pour le développement économique de la ville de Sorel-Tracy, mais également de la région, qu'on trouve des solutions, puis qu'on soit capable de prévoir la fluidité et la mobilité dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années. On ne peut plus gérer à courte vue, il faut regarder plus loin. Et je pense que cette étude-là est de base pour que le ministère des Transports nous mette dans leur fameux plan quinquennaux. Donc, De proposer une solution durable puis qui va être acceptée par l'ensemble. Exactement. Juste un point important, là, parce que j'ai eu beaucoup de discussions ces derniers jours. Puis je dois vous dire que le député Jean-Bernard Raymond, on a eu une rencontre, M. Langlois, vous y étiez, puis les représentants du ministère, des représentants du bureau de M. Bernardel, eux, là, il y avait quand même des pistes de solutions. Mais je dois dire qu'on s'est buté là, à la machine administrative, aux fonctionnaires qui sont là par rapport à leur rythme auquel ils travaillent, leur exigence, leur capacité de livrer des projets, c'est bien ça, M. Langlois, leur capacité, tu sais, eux, ce qu'ils semblaient nous dire, là, on n'est pas capable d'en prendre plein la gueule, là, on va y aller par notre rythme et tout ça. Donc, c'est plate parce que M. Aymon avait réussi à convaincre le ministre Bonnardel. Puis le premier ministre, quand il est venu ici, on lui en a parlé des situations. On lui a parlé des cas de Mme Da, hein, des correspondances. Puis il y avait cette sensibilité-là. Mais c'est la machine administrative du ministère qui ne suit pas. Et là, mercredi, on a une rencontre avec le préfet, Gilles. Puis Gilles est d'accord. Alors, ce qu'il va devoir faire, mettre ce sujet à l'ordre du jour, aller de l'avant, puis donner le mandat rapidement, puis pas étudier 25 scénarios. Un, la route, le boulevard urbain, pour décongestionner Fuset, travaillons un objectif à la fois, puis allons de l'avant, puis faisons-le. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait prendre le réseau. Puis, entre-temps, avec M. Aymon, on travaille la réparation, la rénovation et tout ça, là, de Fuset, là, pour le mettre carrossable. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on devrait y arriver. Alors, Mme Ouellet... Merci, M. le maire, je compte sur vous. Alors, mercredi soir, je vais demander au préfet et puis l'ensemble de mes collègues maires. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être insensible à ce qui s'est passé. On n'en veut plus des situations comme ça. Puis réglons-le une fois pour tout. Exact. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Avez-vous d'autres commentaires, oui, Mme? Oui, j'ai un dernier commentaire, mais j'aimerais souligner la semaine des enseignantes et des enseignants et tous les remercier pour leur dévouement et leur bienveillance. Et également pour leur incroyable résilience en ces temps qui sont vraiment hors du commun. Merci à vous tous. Et pour me joindre, vous pouvez me contacter au 450-780-1248 par courriel ou via mon Facebook. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Puis on a deux enseignants, M. Péloquin et M. Picard, donc on les salue. Merci. Alors... Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors, M. Péloquin, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui. On vous écoute. Allez-y. Trois choses. Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Effectivement, on travaille fort. Et on ne lâche pas. C'est quand même assez ardu ces temps-ci. Alors, premier sujet, bien, je vais faire du pouce un peu ce que vous avez dit, là. Ce soir, on a une résolution aussi en ce sens-là, qui est celle de la décentralisation. Alors, nous, on est fiers, on est vraiment contents d'appuyer les médecins qui veulent une décentralisation. Pourquoi c'est important, la décentralisation? C'est parce que ça ramène les postes décisionnels dans la région. Puis c'est ça qui manque, d'accord? Quand on parle du MTQ, là, nous, ici, là, quand on veut faire affaire avec le MTQ, on a un agent de liaison. Ça veut dire qu'il faut parler à quelqu'un qui est un agent de liaison, qui, lui, va parler ensuite... à son patron, qui est situé à Valleyfield.
loin des yeux, loin du cœur, on ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe sur le territoire quand on est si loin que ça. Alors, c'est extrêmement ardu et difficile de faire valoir des points de vue. Ça demande beaucoup de représentation. Puis, effectivement, ça nous donne des situations comme celle que ma collègue, Mme Ouellet, vient de décrire, qui font que ça devient abusif à certaines limites d'envoyer autant de résolutions. Mais il faut continuer de le faire, c'est notre travail, puis on va le faire. Donc, il serait important que le gouvernement entame une réflexion au niveau de la décentralisation, parce que ça nous fait mal ici, justement, de ne pas avoir de poste décisionnel, que ce soit en santé ou en transport. Le deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est le comité du patrimoine. Alors, donc, nouvelle année, on met en place les autres mesures, les autres choses dans notre plan d'action. Alors, cette année, ce qu'on aimerait travailler, c'est bien sûr la suite des notices historiques sur les noms de rues dans le centre-ville. Donc, on veut commencer à étendre le rayon un peu de ça. Des panneaux d'interprétation historique qu'on aimerait mettre aussi dans la ville pour mettre en valeur notre patrimoine. Création d'armoiries, donc c'est un projet qui va venir. La citation du cimetière anglican aussi, c'est quelque chose qui était dans notre priorité. Parce qu'après tout, le cimetière anglican, c'est là qu'on retrouve Wilfred Nelson, qui est quand même un chef patriote important de l'histoire du Québec. Et également, notre gros morceau, c'est faire une étude du potentiel archéologique de la région, donc savoir qu'est-ce qu'on a dans notre souterrain. C'est important pour plein de raisons, bien sûr pour notre curiosité historique, mais également quand on fait du développement immobilier, c'est important de savoir ce qu'il y a en dessous avant de commencer à creuser. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche pour le comité du patrimoine cette année. Et finalement, bien, je vous invite bien sûr à aller vous amuser à l'extérieur. C'est l'hiver, alors il y a des initiatives. En fait, le service des loisirs offre une multitude de choses, notamment pour la semaine de relâche qui va venir. Mais je vous invite aux patinoires spontanées. Alors, puis si vous voulez participer aux patinoires spontanées, bien, vous pouvez participer. Vous n'avez juste qu'à contacter le service des loisirs. Vous mettre aussi avec ceux qui mènent en place ces choses-là. Donc, on en a une au Parc du Versant. C'est bien ça, on a une Parc du Versant. Je vais laisser, bien sûr, mon collègue Olivier en parler pour le Parc des Roitelets. Mais il y en a une également au Parc des Trembles. Alors, donc, on travaille fort là-dessus. Hein. Je veux dire, j'ai jamais eu autant de plaisir à arroser de la glace. mais c'est vraiment, honnêtement, là, c'est comme mon devoir. Alors, on va arroser la glace pour s'assurer, puis elle est utilisée, la glace, c'est ce qui fait, en fait, mon bonheur. Alors, il y a moi et également un citoyen, Benoît Dupuis, qui travaille. Donc, on se relaie. C'est un beau travail d'équipe qu'on fait ensemble pour justement s'assurer d'avoir une belle glace de qualité. Et c'est des glaces qui sont, dans le fond, réduites, ce qui fait en sorte que c'est une glace qui est très appropriée pour des jeunes familles, aller patiner là avec des enfants, ceux qui apprennent à patiner ou ceux qui veulent être un peu plus tranquilles. C'est vraiment des beaux endroits. Alors, je vous invite à aller les découvrir, les patinoires spontanées. Voilà. Merci beaucoup, M. Péloquin. M. Gabremont? Oui, un petit mot, c'est pour le commentaire de. Je vais aller avec Mme Ouellet par rapport au MTQ et le vôtre, M. le maire, parce que j'ai des citoyens qui, moi aussi, il y a 2-3 ans, se plaignaient du boulevard Fizet et qui ils ont lâché prise parce que, bon, oui, on avait régularisé la chaussée pour un petit peu. C'était un petit peu moins pire pour eux, mais eux autres aussi, la vaisselle cassée, il y en avait eu. Alors, ils avaient lâché prise, mais je pense qu'ils vont être contents de peut-être le développement de tout ça. C'était mon petit commentaire ce soir. Parfait. Merci beaucoup, M. Guébron. Ça fait plaisir. M. Bellan? Un petit mot pour remercier Mme Ouellet pour le bon mot et votre mot, M. le maire, pour le pouvoir Fizet. Effectivement, lors de même de ma campagne électorale, j'ai entendu parler à plusieurs reprises. Je vais finir aussi sur une note positive pour le Parc Canado. Dû à la température froide de la semaine passée, la patinoire est revenue d'une très belle qualité. Donc, la glace est top. Elle est top, top, top. Donc, on avait tous les gens venir s'amuser à l'extérieur, au Parc Nadeau, dans le quartier du Faubourg. Aussi belle que celle du Corée Royal? Pas mal plus. Parlez de la rouge après le sang. C'est bon. Oui, M. Bellan, oui, on aura l'occasion de vous mettre à jour pour le dossier Fizet, parce qu'il y a une partie, hein, parce que Mme Ouellet a la partie ouest. Oui. Puis M. Bellan a la partie est du côté. Oui. Donc, vous avez deux conseillers, conseillères, pour bien représenter, puis un maire engagé pour défendre. Une partie, moi aussi. Puis, M. Guévremont, excusez-moi. La partie dans le coin d'Aubert et le 525 et tout ça, c'est chez vous, ça. Absolument, c'est chez nous, ça. OK. Oui. C'est long, Fizette, c'est long. Oui, oui. Merci. C'est complet, M. Bellan? Bien, juste les gens qui veulent me rejoindre au 450-780-5600, poste 5005, ou aussi sur mon Facebook personnel, Stéphane Bellan. Merci. Monsieur Guébremont, vous n'avez pas dit comment vous joindre, vous, hein?
Non. Allez-y. Les confrères et consœurs, non. Alors, oui, ils l'ont fait, Mme Ouellette. Okay. Peut-être, M. Péloquin, je ne sais pas. Oui. 780-5600. Attention, je n'ai pas compris. 780-5600. Mon poste, c'est le 5006. 5006. Merci. Monsieur Mondou, maintenant. Oui, Monsieur le maire. Allez-y, on vous écoute, Monsieur Mondou. Alors, bonsoir à tous. Mon premier sujet concerne le stationnement municipal situé au coin d'Adélaïde et du Prince. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un stationnement alternatif. Donc, il est bien important de prendre le temps de regarder les panneaux de signalisation avant de vous stationner. Également, à cet endroit, il y a des espaces de stationnement qui sont réservés aux voitures taxis. Donc, soyez vigilants à la signalisation et vous éviterez de recevoir un constat d'infraction. Maintenant, suite aux plaintes pour le 54 rue Provost qui concerne le bâtiment abandonné depuis plusieurs mois suite à un incendie où la personne responsable refuse toujours d'effectuer les réparations. Le dossier est rendu à la cour et la Ville recommande que ce bâtiment soit démoli. Nous demeurons en attente de la décision du juge. Maintenant, l'ardoise groupe populaire en alphabétisation célèbre cette année son 25e anniversaire. Différentes activités festives seront organisées tout au long de l'année pour souligner cet événement, mais tout en respectant les règles sanitaires. Quelle est la mission première de l'ardoise? Eh bien, c'est d'offrir les ateliers d'alphabétisation populaire afin de briser l'isolement des personnes peu alphabétisées, d'accroître leur autonomie et de les aider dans la vie quotidienne face à l'écrit et aux nouvelles technologies. Le local de l'ardoise est maintenant situé au 50 rue du Roi, suite 110 au centre-ville. Et pour les amateurs de patins, la patinoire au Carré Royal est ouverte au public. Le personnel de la ville fait tout pour vous offrir une glace de qualité et sécuritaire. J'en profite ce soir pour féliciter M. Daniel Saint-Onge du Service des loisirs ainsi que son équipe pour le travail afin de permettre l'accessibilité aux passionnés du patin tous les jours de la semaine en cette période de l'année. Pour terminer, eh bien, je salue nos aînés, les personnes qui habitent dans les résidences pour personnes âgées et à l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Je sais très bien que vous vivez une période extrêmement difficile, mais vous pouvez compter sur mon écoute, ma disponibilité, mon aide et ma collaboration habituelle. Pour me rejoindre, 450-881-6738. Je vous remercie de votre écoute et bonne fin de soirée. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Mondeau. C'est complet. Donc, oui. On va poursuivre maintenant avec M. Lajeunesse. Bonsoir, M. Lajeunesse. Bonsoir, M. le maire. On vous écoute. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. Ce soir, j'aimerais vous entretenir sur la délimitation qui sépare la ville de Saint-Joseph et de Tracy, et également, donc, par conséquent, mon secteur, mon quartier Saint-Laurent. Plusieurs pensent qu'en descendant le pont de Turcotte direction Tracy, tout ce qui se trouve à droite est Saint-Joseph, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, je vous résume un peu cette histoire. Eh bien, on commence aussi loin qu'en 1877 avec un propriétaire du nom de Luna qui avait de nombreuses terres à Saint-Joseph. D'ailleurs, il était reconnu pour avoir de belles terres de qualité. Et comment il s'y prenait? Eh bien, car au printemps, avec la crue des eaux, les terres étaient vraiment inondées. Eh bien, il fit creuser un fossé de 8 pieds de profondeur par 10 pieds de largeur qui s'étendait d'environ où se situe aujourd'hui la rue de l'Île-Minute jusqu'au Richelieu. Et ainsi, l'eau accumulée sur les terres allait dans le fossé pour ensuite se jeter dans le Richelieu. Quelques années plus tard, ce fossé fut nommé Fossé Malvina en l'honneur de la fille d'un propriétaire de plusieurs arpents de terre de Saint-Joseph, acheté d'ailleurs à la famille Luna. En 1907, le gouvernement du Québec autorisait l'érection de la municipalité du village de Saint-Joseph, qui ainsi se séparait de la paroisse de Saint-Joseph. Et donc, cette nouvelle municipalité se situait de l'autre côté du fossé, ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant Tracy. Vers 1940, il fut décidé de remplir le fossé Malvina.
Donc, à partir de ce moment, la délimitation entre les deux municipalités devenait beaucoup moins évidente. C'est vers 1950 que l'on construit la route Marie-Victorin. Et ensuite fut créée en 1954 la ville de Tracy, qui reprenait les mêmes délimitations avec la paroisse de Saint-Joseph. Donc, aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, il semblerait plus logique que ce soit la route Marie-Victorin qui sépare Tracy de Saint-Joseph, mais en 1907, la logique était le fossé Malvina. Et d'ailleurs, pour les curieux qui aimeraient voir où passait ce fameux fossé, eh bien, je vous invite à aller sur n'importe quelle rue à droite de la route Marie-Victorin en descendant le pont. La dernière maison à l'adresse 900 et la suivante, qui est dans les 400, eh bien, c'est entre ces deux maisons que passait le fossé Malvina. Cette histoire, je l'ai apprise il y a une trentaine d'années. Mon grand-père m'avait donné un livre dans lequel contenait cette anecdote. Quel est ce livre? Eh bien, Histoire de Saint-Joseph de Sorel et de Tracy, Olivard Gravel, maire de Saint-Joseph. Alors, je profite du moment également pour souhaiter mes sympathies à la famille de M. Gravel et ainsi qu'aux gens de Saint-Joseph, dont je suis natif. Alors, mes respects, M. Gravel, et merci pour toutes ces belles anecdotes-là. Voilà. Merci. Beau témoignage, M. Lajeunesse. Oui, puis on tient à saluer aussi l'implication. 50 ans en politique de M. Gravel, comme on dit, puis à titre de conseiller municipal, puis par la suite comme maire, puis préfet de la MRC pendant une éternité. Là, puis même comme anecdote, quand j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec M. Gravel, puis j'aimais ça le taquiner. Puis souvent, tu sais, Sorel, Tracy, Saint-Joseph, tu sais, le fossé Malvina, là, il va plus loin qu'on peut l'imaginer. Mais j'ai dit, M. Gravel, oubliez jamais, la mairesse de Sorel, c'est une fille de Saint-Joseph. Il devenait heureux. Là. Ah oui. Louise, ma conjointe, ah, oui. Ah oui, j'ai connu au Sarah McCarthy, 135 McCarthy, dans ce bordel. Alors, quand je lui disais, M. Gravel, oubliez pas, la mairesse de Sorel, c'est une fille de Saint-Joseph. Là, il part taré, puis là, c'est bon. Donc, oui, on salue, oui, on rend nos condoléances à sa famille, puis on salue aussi tout le travail puis que ce grand politicien, puis c'est un grand diplomate aussi, M. Gravel. Jamais, hein. Alors, on le salue. Donc, c'est complet, M. Lajeunesse? Bien, pour me rejoindre, 450-780-5600, poste 5003. Également via Facebook, Messenger, ou vous pouvez me pager également. Donc, vous êtes conscient. Non, mais vous pourriez. Il était sérieux, il dit. Oh, hein? C'est quoi votre numéro? Non, j'ai dit, il va bien nous donner son fax. Non, l'autre jour, je disais à M. Langlois, là, ici, des sténodactylos, on n'en a plus non plus. Là. On n'en a plus de... Parfait, c'est complet. Donc, maintenant, oui. Je vais donner la parole. Madame Labelle, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous avez quelques points d'information pour nous? Bien, je vais inviter aussi les gens de Richelieu à venir patiner. On a la patinoire La Plume. Mm-hmm. Il y a aussi Adorimène. Qu'on peut patiner. Puis moi aussi, je voulais féliciter tout le personnel là, du service des loisirs pour le bon travail qu'ils font pour offrir cette activité-là à tous. Parce que là, dans le contexte, on cherche qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Puis ça, on a le droit. On peut patiner, on peut marcher. Puis je veux féliciter aussi, je vais le nommer, M. Gagné, qui travaille fort pour... essayer de satisfaire tout le monde au niveau du déneigement puis de permettre aux gens là, de pouvoir marcher, parce que ça aussi, on a le droit, on ne fait que ça. On marche, on patine. Puis ils travaillent fort puis ils essayent de vraiment répondre à toutes vos demandes qui sont faites souvent par notre entremise. C'est bien dit, ça? Fait que je veux féliciter ces gens-là qui travaillent fort pour offrir un service de qualité aux citoyens. Vous pouvez me rejoindre de 780-5600, le poste 5002, sur ma page Facebook ou par courriel. Parfait. Vous n'avez pas de pagette, vous, non? Non. Okay. Je suis trop jeune pour ça. Je laisse ça, M. Lajeunesse. Merci, Mme Labelle. M. Picard? Oui.
Alors, bonsoir, M. Picard, on vous laisse la parole. Bonsoir, je vais continuer dans la même lignée, les patinoires. Au parc des Roitelets, dans le secteur des Boisés d'Angoulême, un groupe de bénévoles a commencé l'aménagement d'une patinoire spontanée, un peu le même principe que dans le quartier à M. Péloquin. Je vais être un peu différent des autres collègues. Je ne vous invite pas à y aller. La surface n'est vraiment pas prête. Il y a beaucoup de bosses. C'est très inégal. Franchement, ça ressemble beaucoup au boulevard Fizet. Donc, on a encore plusieurs jours de travail à faire par rapport à l'arrosage. On a aussi un bris, là, notre borne fontaine qu'on utilise pour arroser la patinoire a brisé. Donc, on a été en arrêt de travail pendant une semaine, mais on a recommencé cette semaine. Ça devrait être prêt d'ici la fin mars. Plus sérieusement, peut-être dans une semaine. On verra. En attendant, je vous invite à visiter les patinoires du quartier numéro 2, La Plume et Dorimen. Sinon, il y a aussi celle dans les terres d'en haut, qui est un petit peu plus petite, mais qui est aussi accessible et entretenue par la ville. Finalement, M. le maire, vous en avez glissé un mot tantôt concernant le projet de terrain synthétique. Mm-hmm. Nous sommes toujours en attente d'autorisation du gouvernement du Québec là, pour construire le terrain sur... le terrain de l'école secondaire Bernard-Garipi. Donc, ça nous prend l'autorisation de plusieurs ministères. Donc, ça devrait venir prochainement. Vous pouvez me rejoindre par téléphone 780-5600, le poste 5001, par courriel ou sur Facebook. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bon, mais merci beaucoup, M. Picard. Quelques petites manchettes rapidement. Cette semaine, j'ai reçu une correspondance là, du... directeur général de Alstom Canada. Vous avez vu passer dans les nouvelles, Alstom, maintenant, c'est officiel, là, ils ont fait la transaction, l'acquisition de Bombardier. Donc, j'ai reçu cette correspondance adressée au cabinet du maire, et puis, le directeur général d'Alstom Canada nous dit, en dernier paragraphe, vous savez que la dernière année a bien démontré qu'il est difficile de prévoir l'avenir. Ça, tout le monde le sait, hein? Jusqu'à maintenant, oui. Mais cependant, ce qui est certain, alors, une précision prise, c'est que nous travaillerons conjointement avec les travailleurs de votre municipalité, donc les gens chez Alstom, chez nous, à imaginer et développer des systèmes de mobilité complets, efficaces, intelligents et durables pour faire face aux enjeux de la mobilité de demain. Donc, j'espère pouvoir me rendre rapidement dans votre ville pour discuter davantage des plans spécifiques de nos installations chez vous. Parce que vous savez que le bâtiment de Alstom, où on fabrique les roues des métros, là, ce qu'on appelle les bougies, buggies, là, ouais. C'est fabriqué chez nous. Alors, on a l'expertise, on a l'espace physique. C'est un atelier qui est tout à fait récent. C'est un atelier qui est géré par la SDE, Société de développement économique, qui va redevenir la Société des parcs, mais qui est en partie cautionnée là, par la municipalité. Donc, nous, on a donné notre appui à ce projet-là pour le financement. Donc, il y aura éventuellement, ça s'est discuté dans le passé, est-ce qu'ils vont ramener ça, l'agrandissement de cet atelier, puis en même temps, faire la création de nouveaux emplois. Donc, l'annonce d'Alstom, on reçoit ça comme une nouvelle très positive. Landroise, 25 ans, félicitations, bravo. Je vais vous parler un petit peu de COVID, dernière nouvelle, parce que les gens nous disent souvent, Monsieur le maire, COVID, COVID. Donc, dans ce cas-ci, 40 cas. Alors, si on regarde là, les dernières statistiques publiées par la Direction de la santé publique, alors celle du 25 au 31 janvier, aujourd'hui, à Villard-de-Sorel, chez nous, alors au chapitre des résidences privées pour aînés, parce que vous allez voir, c'est là que ça se passe pas mal là. Alors, il y a 6 personnes qui ont été atteintes à la résidence Pierrot. Hein, c'est le chemin des Patriotes. Oui. Il y en a 19 au Marquis de Tracy. Faites le total. Ensuite de ça, 3 ont été rapportés dans les 24 dernières heures à la Villa des Berges à Saint-Ours, donc vous voyez là, dont le 4 résidents qui sont atteints aussi. 9 patients à l'Hôtel-Dieu. Vous avez entendu parler qu'à l'Hôtel-Dieu, il y avait des cas, certains étages et tout ça. Donc, dans ce moment, c'est 9 patients et moins de 5 travailleurs. Donc, puis au centre de services scolaires, 6 écoles sont toujours sur la liste des établissements comptant des cas de COVID. Le centre de formation professionnelle Bernard-Garipi et l'école Fernand-Lefebvre ont déclaré de nouveaux cas dans les dernières 24 heures. On n'a pas le nombre, mais c'est signalé. Donc, tout simplement, on est à 40, là, et merci Pierre Sorel. Donc, on s'améliore. Maintenant, si on parle de 40 pour 50 000, ça veut dire que c'est 80, il faut doubler, pour 100 000 personnes, parce qu'on calcule ça souvent du 100 000 par 100 000 habitants. Donc, c'est considéré quand même, c'est bon pour nous parce qu'on s'améliore, mais c'est considéré comme élevé. On ne sera pas, dans ce cas-ci, éligible pour devenir une zone genre orange, là. Demain, on va voir comment est-ce que le premier ministre soulève ça. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer, le constat?
Ce n'est pas des cas qui se promènent partout. C'est des cas dans des résidences de personnes âgées puis ceux qui sont sous contrôle à l'Hôtel-Dieu. Donc, bref, on est en bonne position pour une amélioration rapide. D'ici une semaine ou deux, vous allez voir, ça va s'améliorer davantage, à moins qu'il y ait un accident de parcours, qu'il y ait un gros party, je ne sais pas moi, dans quelle rue, dans quel département, dans quel quartier. Ça, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Appel de candidature pour la nouvelle corporation en développement économique. Alors, si vous êtes intéressé à siéger, à devenir un administrateur, surveillez les médias locaux. Donc, il y aura un appel. Conseil d'administration pour la composition de le nouveau comité de développement économique Pierre de Sorel. Donc, il y aura dans le milieu des affaires 4 sièges de disponibles. Dans le milieu agroalimentaire, 2 sièges de disponibles. Dans le milieu d'économie sociale, 1 siège de disponible. Naturellement, le préfet d'office, le maire de la ville-centre d'office aussi. Et puis, il y aura le député qui va siéger comme observateur, devrais-je dire. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura la sélection du conseil d'administration. Vous déposez une lettre d'intérêt avec un résumé, qui vous êtes, quels sont vos intérêts, vos compétences aussi à la fois. Vous envoyez ça à une adresse qui est candidat@umq.qc.ca, parce que c'est l'UMQ, une union des municipalités du Québec, qui reçoit les candidatures. Ils ont décidé de prendre une firme externe pour pouvoir avoir une objectivité dans les sélections. Puis, ce choix-là doit être entériné à la MRC. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, nous communiquer avec nous, sans problème. Et maintenant, je vais terminer avec l'annonce pour la vaccination. Est-ce que nous, à Sorel-Tracy, on est prêts pour la vaccination? La réponse, c'est oui. Oui. Où ça va se passer? C'est au 180 rue Victoria. C'est où, ça? C'est l'ancien bingo, l'ancien salle traversée. Donc, la salle est tout aménagée maintenant. Le 3, dans 2 jours, toute l'équipe technique va faire une répétition. Vous savez, les gens vont arriver, vont s'inscrire. On se lave les mains, passe là, amène ta carte. Eux vont répéter pour pas qu'il y ait de déficience là, dans la procédure. Il aurait dû commencer le 4, la vaccination, mais non, à cause du, vous le savez tous et toutes, il y a 800 doses là, pour l'ensemble de la Montérégie. Il n'y aurait pas... Je vais dire une expression de ma mère. On n'y aura pas chez loin, mais je ne le dirai pas. Là. le 4 février, c'est censé, je vais vous dire les séquences. D'abord, le personnel de la santé. Ensuite de ça, les personnes âgées, les différents groupes d'âge. Après ça, les RPA, la résidence pour personnes âgées, ils vont les vacciner. Et là, ils vont commencer. Les 81 et plus. Ensuite, 70 à 79, 60 à 69, 60 ans et moins avec des maladies chroniques. Ensuite de ça, les 60 ans et moins qui n'ont pas de maladies chroniques. Après ça, les différents services essentiels au travers de ça, puis tous par la suite. Donc, ça vous donne un petit portrait. Le 5, je vais aller visiter ça. Notre ami Sylvain Dubé, qui est l'adjoint de Mme aux communications, aux relations avec le milieu, Sylvain au CI3S Montérégie-S. Il va nous emmener, puis j'aurai l'occasion de prendre des informations puis vous informer davantage. Juste avant de vous donner le numéro d'urgence pour les requêtes, je l'avais donné la semaine dernière, je le refais, notez-le tout de suite, ou allez vous chercher un crayon, je vais y revenir tantôt. Je vais laisser le micro à notre ami Dominique Brassard. Monsieur Brassard, vous voulez nous parler d'un petit concours à toi, mon petit cœur. À toi, mon... Ben oui, c'est exactement là, ça. J'ai concours, entendu... Ben... Attendez, là, on est après 9h. Oui. Il est 9h15. Alors, allez-y, mais, monsieur Vous aurez compris que c'est un concours de la Saint-Valentin qui s'adresse aux enfants, idéalement. Donc, jusqu'au 14 février, vous confectionnez un bricolage sur le thème de l'amour et de l'amitié. Et la fin de semaine, 13 et 14 février. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier sur la page Facebook de la ville de Sorel-Tracy une publication. Et sous cette publication-là, on invite les gens à partager une photo de leur bricolage. Et le 15 février, il y aura tirage d'un chèque cadeau qui sera valide dans une librairie locale pour les participants. Et je ne sais pas si on a le temps, je vous parle rapidement du compte de taxes. Oui, parfait. Allez-y. Vous avez l'information à nous donner, hein? Oui, une précision. Pardon? L'information, une précision sur... Oui, une précision sur le compte de taxes qui a été distribué. C'est qu'on a distribué la semaine dernière l'ensemble des comptes de taxes aux citoyens de la ville. Le compte de taxes, évidemment, est daté de 2021, mais vous allez peut-être remarquer un petit peu plus bas, il y a un encadré indiquant
période d'imposition, c'est inscrit 2020 plutôt que 2021. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça ne change rien parce que le compte de taxe, il est valide. C'est une coquille, oui, mais toutes les informations sont les bonnes. Pour le paiement, ça ne change rien non plus. Alors, ce n'est pas nécessaire de le réimprimer, mais si vous le souhaitez, c'est sûr qu'une entreprise ou un citoyen peut en faire la demande. Vous téléphonez le 450-780, le 5600 et le poste est le 5620, donc 450-780-5600, poste 5620, si vous souhaitez le faire réimprimer. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Brassard. Donc, je voulais vous dire, là, par rapport au numéro de téléphone pour les requêtes, alors, c'est le 1-800-565-0911. Vous pouvez appeler là 24 heures. Il y a toujours quelqu'un qui vous répond. S'il y a une fuite d'eau dans votre quartier, un bruit quelconque ou une requête que vous voulez signer, une lumière de rue qui allume plus, quoi que ce soit. Donc, c'est possible d'appeler. On va vous demander quelle est votre adresse, quel est votre nom, c'est quoi le problème, quelle est la requête. C'est noté, c'est enregistré, c'est bien référencé. Puis, un suivi rigoureux qui est fait là-dessus par la suite. Donc, ça s'arrête là. Moi, je veux vous saluer, puis je vais vous donner aussi mes coordonnées pour me rejoindre. Alors, c'est le 450-780-5600, le poste 5655. C'est transféré directement sur mon cellulaire, comme je vous le disais. Mon horaire, toujours le même, celui de Tim Hortons, 24 heures, 16 jours, gênez-vous pas. Ça nous fait toujours plaisir. Puis, si vous avez des questions, des préoccupations ou quoi que ce soit, on reçoit toutes sortes d'appels, mais gênez-vous pas. Si vous êtes à la maison, vous êtes inquiète, appelez-nous. Puis, si vous avez besoin d'aide quelconque, j'ai reçu des appels pour des logis cette semaine. J'ai reçu des appels pour quelqu'un qui vivait un peu d'anxiété. On le met en contact avec les différents services sociaux. Donc, ça nous fait plaisir de vous aiguiller parce que c'est pas évident souvent de trouver le bon numéro à la bonne place. Nous, ça nous fait toujours plaisir, même vos conseillers et conseillères, ils auront tout le bottin. Là. Contactez-nous, on est là pour vous, pour vous donner de l'information, puis vous accompagner. Donc, ça termine notre assemblée. Donc, on doit maintenant procéder avec la levée de l'assemblée par résolution. Donc, qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Monsieur Guévremont? Oui. Alors, propose la levée de l'assemblée. Et je qui appuie? Propose la levée. Propose l'appui, monsieur le maire. Vous appuyez la levée de l'assemblée. Alors, vous proposez l'appui. C'est bon. C'est bon. Alors, je veux saluer monsieur Langlois, monsieur le greffier, conseiller conseillère, monsieur Brassard, les gens, les techniques, et vous, surtout à la maison. Vous savez, c'est pas facile de vivre un couvre-feu. Donc, nous, on est là à tous les deux semaines. Donc, là, on est le premier pour l'assemblée du début du mois. Dans deux semaines, on aura une autre assemblée publique pour partager avec vous les décisions. Puis à très bientôt, je l'espère. Portez-vous bien. Merci, bonsoir.